England. Yeah. But for sure, you have the smallest one in Canada. I think it's gotta be, yeah. Oh. Hey, bon matin tout le monde. Ouh, j'en ai dans la main. Eh oui, un matin, il mouille. C'est pas grave. Ça arrive une fois de temps en temps. Je trouve même que je suis vraiment chanceux de ce temps-ci côté pluie. Là, j'ai couché avec, vous le créerez pas. Avant, ici, c'était un lot, L-O-W-E, un genre de quincaillerie. Rona les a achetés. Mais c'est toujours une bonne place pour snoozer parce que l'Internet rentre comme une tonne de briques. C'est une autre bonne place pour avoir de l'Internet. Donc, à matin, de la pluie de même, je me fais pas mon café. Je vais aller au McDonald's prendre un petit café papier à matin pour commencer. Les journées de pluie, c'est toujours les journées pour les réparations, le lavage, ces choses. Puis, à traverser le Canada, j'ai sûrement soit une terre odaine ou un bearing de roue qui rend l'âme parce que il y a un petit son, un petit shake dans le volant et moi, j'attends pas que ça brise. Je suis ma mère pour ça, toujours tenir l'auto en parfait ordre. Puis, c'est normal parce que ma manière de calculer, c'est pour chaque dollar d'essence dépensée, tu peux être certain que c'est le même dollar de réparation que tu as mis sur un autre mobile. Puis ça, ça ne déroge pas de la règle. Si là, vous n'avez pas ce ratio-là, préparez-vous à des grosses réparations qui s'en viennent. Parce que habituellement, un dollar pour dollar, tu as des réparations. Donc, let's go chez Speedy. Rendez-vous est pris à 10h mercredi chez Speedy. Une chose d'achat. J'ai comme des... Je sais pas si on peut appeler ça des tocs. Il y a une place que je me fais couper les cheveux à Fredericton. Je vais tout le temps là quand je passe dans ce coin-là parce que c'est la place la plus rapide que j'ai vue pour se faire couper les cheveux. Déjà pas bien coupé, là. C'est pas la coupe parfaite. Mais... C'est toujours un fun pour moi de chronométrer le temps que je peux être assis sur la chaise parce qu'elle coupe les cheveux vite. Et quand je viens à Victoria, immanquable, j'ai un endroit où je vais me faire couper les cheveux. C'est la plus petite barbershop que j'ai jamais vue. Il n'y a pas de place là-dedans, donc je vais prendre mon rendez-vous. Si je suis chanceux, elle va pouvoir me couper les cheveux, mais... Ça, c'est un immanquable. C'est un plaisir pour moi d'aller là. C'est ici. Bon, à cette heure que j'ai pris mon code. Pour 2h cet après-midi. Yeah! Juste pour vous donner une idée de la grosseur, c'est juste la vitrine qu'on voit là. La boutique est plus haute que l'arbre. J'ai hâte de voir. Avec le petit, c'est juste là. Oups! C'est vraiment pas gros. C'est de loin la plus petite shop que j'ai vu. C'est tout petit! C'est pas voyable. Hey, t'as la chaise, pis t'as. C'est tout petit! Je peux pas avoir de recul. Si vous venez à Victoria, ben moi en tout cas, c'est sûr, hein, je suis minimaliste dans ma manière d'être. Arrivé d'un barbershop pas plus grand que ça, c'était certain qu'il fallait que j'arrête encore une fois ici. Ça me met le sourire. Bon, là, la journée est en train de se finir. Fait que ça va être du gym. Puis en même temps, ben, ça va me permettre de ôter les petits cheveux coupés. On prend la route. On va faire une heure de gym.
pour perdre mon petit 15 livres de trop. Puis déjà, c'est la fin de la journée. C'est une journée de pluie, mais je ne l'ai pas vu passer. J'avais trop de choses à faire, puis ça n'arrête pas. Et là, j'ai des beaux cheveux tout petitement coupés dans un tout petit salon de barbier. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dutch Falia. Ciao, bye!